Bonsoir tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous portera plein d'informations dans cette leçon qui concerne le son G comme garage, guirlande. Et vous voyez bien que ici le G est suivi de A et que le G ici est suivi de U, donc ça se prononce G. Alors, je lis le texte. Vive les vacances. Tout content, Grégoire prend le train à la gare pour aller voir ses grands-parents au bord de la mer. Pendant le trajet, il pense à ce qu'il va faire avec son grand-père. Ramasser des bigorneaux, réparer son guidon de vélo, manger des glaces sur le port. En arrivant, il aperçoit la figure de sa grand-mère qui le guette. Chic, enfin le début des vacances. Alors, pour la première question, relève tous les mots de texte qui contiennent le son G. Alors, les mots de texte sont en vert. Vous avez le mot Grégoire. Et vous voyez que le G est suivi de O. Donc, c'est G. G suivi de OI, donc ça donne GUA, Grégoire. Et le G qui est au début, je l'ai oublié, est suivi de la consonne R. Donc forcément c'est GR, Grégoire. Vous voyez ici que G est suivi de A. La gare, 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 gare. Toujours lorsque G est suivi de A, ça se prononce GA. GR, GR, G suivi d'une consonne R. Donc, ça se prononce grand-parent. Vous avez ici la même chose, grand-père. Vous avez ici bigorno. Alors, vous voyez bien que le G est suivi de O. Donc, ça se prononce go. Ici, G est suivi de U. La lettre, la voyelle U, donc ça se prononce gui. Puisqu'il y a la lettre I qui commande. Guidon. Alors que le U, c'est seulement pour éviter de dire gidon. Vous voyez ici le mot glace. G suivi d'une consonne L. Donc c'est gl. Glace. Ici figure. Figure. G suivi de U. Grand-parent. Grand-mère. On a déjà parlé. Et get. Ce sont les mots qui contiennent le son G. Et voilà. Donc le son G. Nous avons terminé de lire le texte. Nous avons relevé les mots qui contiennent le son G. Donc, n'oubliez jamais cette leçon. Lorsque G est suivi de A, ou bien de O, ou bien de U, ça se prononce G. Et lorsqu'il est suivi par des consonnes, ça se prononce G. Maintenant, je vais vous montrer bien sûr la photo. Donc, ici, les enfants, vous voyez qu'il y a les enfants, il y a la plage. Donc, ça donne l'air d'une vacance, bien sûr. Ici, le château, une étoile qui se trouve ici. D'accord? Et je vais passer à la lecture de « Je retiens de cette leçon ». Alors, leçon G peut s'écrire avec G ou bien GU. Donc avec G, lorsqu'il est suivi par les lettres voyelles A, O, U, L, c'est pas une voyelle, c'est une consonne, ou bien de R. Ce sont deux consonnes. Ici, les trois voyelles. Ils sont en rouge. Donc les voyelles sont en rouge. Les trois voyelles sont en rouge. Et les deux qui sont en bleu, ce sont les consonnes. Alors pour le premier mot, une gare. Une gomme, une figure, une règle, un groupe. Alors pour le deuxième cas, l'écriture du son G, c'est avec GU, lorsqu'elle est suivie par E, comme une langue, et lorsqu'elle est suivie par I, comme une guirlande. Alors attention, attention, il y a des exceptions bien sûr, un rond. Le G est muette.
un rond, un poignet, long, long, du son. Il y a d'autres mots, bien sûr, donc le G ici est une lettre muette, parce qu'elle se trouve à la fin du mot. Un camping, donc ici on prononce le G, un camping. Le ping-pong, le ping-pong, le ping-pong. Alors le G, le deuxième, se prononce, le premier G ne se prononce pas. Un parking, g. Donc ce sont des exceptions qu'il faut les apprendre, qui ne suivent pas la règle, bien sûr. Et dans une vidéo qui va suivre cette vidéo, je vais faire des exercices sur ce son pour bien apprendre. N'hésitez pas de nous encourager pour donner plus d'efforts dans ces leçons. La chaîne, c'est Prof Farid. Et n'hésitez pas de nous donner un coup de pouce. Un coup de pouce pour nous encourager. Au revoir, merci. N'oubliez pas de partager la vidéo pour les autres qui veulent apprendre le français. Au revoir, merci d'avance.